Bonsoir, amis téléspectateurs. Jeudi, c'est vendredi 19 janvier 2018. Moi, très content avec vous pour présenter au journal là mes plus gros points qui va dominer l'actualité. Président Jovenel Moïse quitté gain ak li, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine posé premier roche pour construire pont croix d'émission à pont route neuf là vendredi 19 janvier. Construction de pont Sayo a coûté environ 36 millions de dollars américains. Pendant la même journée, chef l'État a visité coopérative agricole pour sauver Plantet Préval qui trouvait dans première section. Thierry Viel, la Tibonite, à qui ont usine d'Iri, qui n'a même espace là. L'autre nouvelle discussion sous formation, commission permanente dans la Chambre députée a continué. Représentant plusieurs blocs politiques, ils ont espéré gagner une entente cap-joigne pendant le week-end là. Office Poste d'Haïti, OPH, inauguré jeudi, il y a un bureau tout neuf dans la commune d'Elma. Birosambre, elle permet Mundelma Axon qui sous-côté yo bénéficier service institution. Le groupe croissance lancé officiellement jeudi 18 janvier à Observatoire national sous finances publiques d'Haïti avec réseau journaliste économique pour développement durable. Pilon la Kainou, Sénat américain doit adopter à souhait vendredi 19 janvier à bon minuit yon accord budgétaire. Si ça n'a pas arrivé fait, l'agence fédérale a non incapacité pour payer fonctionnaires. Point ça avec divers slots, nous allons développer pour Red Washi. N'a pas l'ouvrir journal lac Nicole François Selom qui va dire nous comment conditions t'en yé. Salut à tous. C'est avec un peu de plaisir que nous retrouvons jeudi vendredi pour le bulletin météo qui est en condition. Nous voyons ça sous bassin avec différentes images. Toujours un fond quasi stationnaire qui chita au niveau canal du vent qui voyait pas mal d'humidité au niveau pays d'Haïti. Donc c'est ça qui permet à ce que quelques activités de la pluie assez fréquentes au niveau pays pendant deux derniers jours. Donc je dis encore la pluie au niveau secteur nord pays et puis sud-ouest. Et éventuellement, il y a un département l'ouest qui a touché par quelques averses la pluie par rapport à Fonsa qui était stationnaire au niveau canal du vent. Pour vous savoir que les gens qui environnent, il y a toujours un temps qui nuage après-midi, toujours un risque pour la pluie qui fréquente la capitale là à souhait. Température maximale est aussi entre 30 et 32 degrés Celsius, minimale la descend jusqu'à 20 heures. Donc, on a espéré une nuit réellement fraîche au niveau Port-au-Prince avec les gens avoisinants. La page maritime au niveau côte nord, golfe de la Gonâve et puis côte sud pays vont souffler jusqu'à 20 nœuds. Donc, c'est des vagues qui varient entre 6 et 7 pieds. Donc, Merlin n'est pas réellement tranquille, il est agité. Pour raison, ça nous met des capitaines, il est très prudent, il a navigué pendant le week-end au niveau toute côte. Et pour nous finir, la page astronomique, le soleil a couché sous Port-au-Prince jeudi à 5h35 et il a levé demain matin à 6h25. C'est un plaisir pour m'aider avec nous pour l'information. Merci pour attention nous. Bon après-midi, bonne soirée et un excellent week-end. Jean Saté annoncé dans Tikyo, président Jovenel Moïse a posé vendredi 19 janvier, premier roche pour construire pont croix d'émission à pont route Nefla. Construction de pont Sayo a coûté environ 36 millions de dollars américains. C'est le gouvernement Japon qui a bail l'argent pour faire travail Sayo. Pont croix d'émission à route Nefla a duré 32 mois. Premier a mesuré 78,70 m, tandis que deuxième a mesuré 93,40 m comme longueur. Il pourra le remplacer de l'autre pont métallique qui était là déjà. Selon l'information qui n'a fiché Sayo, a fait en béton. C'est compagnie construction japonais Hazama Rando Corporation qui a bien pour réaliser le travail. Pont croix d'émission connecté commune Taba à Croix des Bouquets. Tandis que pont Neflan fait liaison entre Cité Soleil à Croix des Bouquets. Il y a d'autres ouvrages d'infrastructures routières à réaliser. Il s'agit de la construction de deux autres viaducs dans la région métropolitaine. Un viaduc au carrefour de Gérald Bataille et un autre du côté de carrefour Marassa. Par les travaux de construction, de caniveaux et de compactage de certaines voies de pénétration que nous sommes en train de réaliser dans les communes de Tabar, Delma, Croix-des-Bouquets, Cité-Soleil et qui vont bénéficier de l'apport du ministère des Travaux publics en asphaltage, la circulation des véhicules dans la région métropolitaine
va considérablement améliorer et les grands axes routiers reliant ces villes vont être décongestionnés. Au nom de la municipalité de Cité-Soleil, nous nous associons à la cérémonie d'aujourd'hui, bien avant aux démarches qui ont abouti à l'accomplissement de ce matin. Les citoyens soleillens nous ont choisi, moi et mes collègues Joël Janéus et Charles Joseph, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie, doter la commune d'infrastructures routières modernes capables de garantir la vie des passants entrent d'emblée dans cette dynamique. Nous attendons avec joie l'arrivée bientôt de la caravane du changement initiée par notre ingénieux président Jovenel Moïse dans le département de l'Ouest, particulièrement dans ma commune de Cité-Soleil, pour qu'enfin notre commune soit comptée parmi les communes de qui seront érigées à la fin des travaux, répondront à un double objectif. D'une part, rassurer les usagers en apportant plus de sérénité et moins de soucis, et d'autre part, doter les communes de Dabar. En Haïti, Yoshiaki Hata travaille à prouver volonté gouvernement Haïti avec Japon gain pour renforcer les relations amicales de pays. Ces deux ponts connectent la zone métropolitaine et les régions du centre et du nord. Ont une importance stratégique majeure non seulement pour le transport quotidien, mais aussi pour l'opération logistique urgente lors de catastrophes naturelles. Construction du pont Sayo, rentré dans quatre caravanes changement selon président Jovenel Moïse. Chef l'État a annoncé un autre bord, libre à le passer l'autre pour qu'il y ait rivière grise, sauté bassin général, rivière Cité Soleil. Caravane n'a privé dans l'ouest, caravane n'a privé, c'est pas pour nous. C'est son coup de l'âge, caravane n'a pas privé pour nous travailler sérieusement. J'en parle en gratifiant de loi. Voici, là qui permet l'État aujourd'hui à travailler 24 heures sur 24. Nous croyons le travail. Jour et nuit pour nous tuer toute rivière dans la zone métropolitaine. Nous voyons le travail jour et nuit pour nous faire route, toute route côté magistral, pour commencer à mettre à niveau. Nous voyons le travail pour nous mettre asphalte pour nous. Nous voyons le travail pour route, moi je suis fait là pour nous. Dans Douya, pour nous arriver au site, l'ombre de Douya pour nous arriver jusqu'à Poste-Cazo, route ça n'a pas bon même. Nous allons travailler pour route ça, pour toute route ça, une réflexion qui fait sur pour nous avoir une ville Port-au-Prince qui digne de nous, pour nous avoir une zone métropolitaine, neuf pour tester le pays en main, ensemble avec nous, pour nous avoir une tête au sérieux, pour tout le monde, tout notre pays sur la terre, qui arrive à respecter nous comme un pays libre, indépendant et digne. Pont quoi d'émission, il y a 56 l'année depuis qu'il construit. Grâce à ce nouveau pont ça, si la yon qui on habite fait zone ça pour avoir l'esprit au plus en paix, les a traversé rivière grise. On nous dit que député Kwade Boukéa, Jean-Willer Jean, félicité l'État haïtien pour l'initiative l'y prend pour remplacer deux ponts qui sont rivière grise là. Représentant commune Kwade Boukéa dans chambre député a encouragé chef l'État à continuer le travail pour faciliter communio plus accessible dans le pays. Député Jean-Willer Jean, tenant micro John Herbie Casséus à Hervé Pierre. La construction de ce pont apportera le sentiment de sécurité pour tous. Cette construction permettra de faire face à certains problèmes de circulation qui peuvent être des contraintes au développement des activités économiques de la population. Cette construction rentre aussi dans une politique d'intégration et de développement. Les ponts en bon état peuvent réduire la durée des voyages, accroître les échanges commerciaux et renforcer la cohésion entre les localités. C'est aussi le fruit d'une volonté de réduire les contraintes majeures dans les transports et accorder une importance crucial à la construction d'infrastructures pour faciliter la vie au quotidien. Mesdames et messieurs, nous travaillons à chaque seconde, à chaque minute et à chaque heure pour que nous apportions les changements réels tant attendus par vous pour faire tout ce qui doit être fait.
Les 40 moulins d'Iri avec 29 motos bail agriculteur dans Vallée la Tibonite vendredi 19 janvier. Chef d'État a encouragé différentes associations pour dicter yo, mettez tête ensemble pour justement nommer pays. Député Caleb Deramo déclaré vendredi 19 janvier la continuer soutenir chef l'État dans le travail développement l'a réalisé dans pays. Parlementaire amendé président Jovenel Moïse passé l'ode pour faire réparation lycée Guy François Malari. Président côté nous y est là immédiatement après pour moi sous zone tabac lycée Guy François Malari a liaté. C'est vrai, population a besoin de route, mais président jeune Yodou a besoin d'éducation. Lycée Guy François Malari, président, il est dans le budget républicain. Président, hier soir, la pluie tombée dans le tabac. Bon, AVCTA, pas de question d'inondation encore. Travail, travaux publics, a commencé à faire. Jusqu'à présent, il y a pas de bons résultats. Mais ça me souhaite, président, le caravane a privé dans l'Ouest, en particulier 7 février, Palvina. Président, me souhaite. Dans la zone et au AVCTA. Excellence Tabar, c'est une zone transversale bélier. Il y a une pile fréquentation qui fait dans Tabar. Tabar, des fois, il est très congestionné. Excellence, moi travaille déjà avec travaux publics pour déboucher la zone dans la zone pour l'émission là, but boyer, pour arriver sous pont Tabar, pour permettre la circulation décongestionnée dans la zone là. Chef l'État Jovenel Moïse a remet yon valet 40 moulins d'Iri avec 29 motos bay agriculteur dans Vallée la Tibonite vendredi 19 janvier. Chef l'État a encouragé toute association producteur yo mettez tête ensemble yon façon pour renforcer l'économie pays. On suit yon reportage. C'est un premier stop moulin d'Iri qui vient remplacer ancien moulin yo qui t'a fonctionné dans mauvais état sous 253 propriétaires. Responsable choisi par tirage au sort 40 agriculteurs pour première étape ça. Répartition en fait à travers association qui sorti dans cette commune. Moi je suis content parce que moi je vais moulin. Non parce que ça va pas capable réaliser parce que tout ça passe on fait pas yo mais même le pencher sur la caravane paysan. Président, n'a petit président, un grand merci. N'a petit tout pour monsieur ODVA et tout merci. Parce que yo te dit c'est magouille qui t'a fait pas de pièce magouille qui fait tout moun yo te chita en dedans yo te fait tirage malgré tout moun yo fait discussion mais yo te vinn rete yo fait tirage pour tout moun te ka bénéficier. Sénateur a expliqué gen l'autre travail qu'a pra poursuivre dans le département la Tibonite là. Et ça qui est important c'est que autrefois yo te considéré seulement nous te ka travail. Je dis à président transformé nous tout en entrepreneur. Ça veut dire que nous travaillons et en même temps, tout, nous sommes actionnaires dans l'entreprise. Et ça veut dire que c'est nous qui avons changé pour nous sortir dans la cachette. Et c'est ça que je dis à nous fiers. Nous travaillons là pour aller. Petit, petit, mais nous privé côté nous aller. Nous privé parce que nous avons une détermination et nous avons une volonté pour travailler la fête. À cause de problèmes matériels pour agriculteurs ou fonctionner, 30% dans les récoltes d'Iria sont crasées. Grâce à moulin moderne Sayo, problème n'a résoud. Chef l'État a encouragé l'idée pour renforcer le regroupement association planteur en dans différents blocs. Yo. Ça a aidé l'administration Moïse Lafontaine à avancer plus vite dans le projet. Yo. C'est pour nous commencer le travail, nous-mêmes, pour prêter moulin. Yo. Pour nous commencer à mettre tête nous ensemble pour nous faire, usine tout. Parce que vous pas bien. 50 000 hectares. Bon, on a dit, chaque usine a fait pour travailler sur 1000 hectares. Nous avons combien d'usines dans le pays de Valère? 50. Ça veut dire nous-mêmes aujourd'hui, qui nous a fait mouler. Je ne suis pas venu avec affaire usine pour mettre nous dehors. Jamais. Je suis venu manquer de l'île. Je suis venu pour mettre nous en danger. Aujourd'hui, il faut commencer à parler ensemble. Pour nous commencer, comment nous avons mis tête ensemble? 3, 4, 5 personnes qui ont été moulin pour nous dire bon, on sortit dans le niveau ça, on sortit dans le stade moulin
pour aller dans le stade d'usine. Et même Jean Nouem fait avec nos moulins, c'est comme ça qu'on va passer aux usines. Ou bien comme on va l'obliger à mettre à terre, l'État, pour aller dans le jeune crédit, pour faire l'usine, qui va permettre que nous quittons aller la Tibonite, qui est correct. On va aller la Tibonite, côté monde va obliger, ou à mettre direct toute roche dans le sac. On va aller la Tibonite, quand on ne va pas l'obliger à le bouillir du riz ou le vin jaune, ou à bien usine. Pour capable jouer du riz. Ou à bien bon genre système machine qui va mettre du riz dans le c'est ça que je viens en tête moi. Et c'est l'imbin pour nous. Chaque moulin ça a coûté en valait $13,000 américains. Il y a une capacité pour nettoyer entre 800 à 1200 kg du riz par heure. Mettre moulin ça pour rembourser coopérative là comme ça par morceau pendant 3 années à 0% d'awon et puis 0% intérêt. Président de la République, là, Jovenel Moïse visitait coopérative agricole pour sauver plantain à Préval qui trouvait la première section Thierry-Vielle à Tibonite. Vendredi 19 janvier, chef l'État a profité visiter yon usine d'Iri qui n'a même espace là. Usine Sayo, c'est un projet USAID pour améliorer capacité, production, agriculture en qualité et puis en quantité avec équipement moderne. Puis devant, le président Jovenel Moïse remet yon lot 29 motos by jeunes agricoles qui sont dans diverses communes et localités dans la vallée la Tibonite. Yon extrait. Nous désirons pas de complaints tout bien pour les appuyer. Pour l'heure, nous désirons bon pour tout bien motocyclette. Pour l'heure, mon paysan qui a un problème, l'heure, mon serviceur de l'agriculteur qui a un problème, pour arriver par le service intérieur. Le moment pour nous prendre en pause, arrêt de brancher l'abdomen. Nous retournons pour suite journal là avec support financier, agence États-Unis, réseau journaliste économique pour développement durable de Estrictisayo, bien pour objectif permettre plus transparence dans processus élaboration budget national là. Lancement de Estrictisayo, fait en présence ministre économie et financement Jude Alix Patrick Salomon, plusieurs journalistes à quelques membres de la société civile. Là. Reportage Roosevelt Desrosiers et Junior Avril. Observatoire national sur finances publiques d'Haïti regroupe plusieurs citoyens qui vont être pour objectif réfléchir sur le budget république là, d'après coordonnateur AI Observatoire Francisco Jovin. Travail de permettre population haïtienne non comprendre ce qui est dans le budget. Bon côté PAL, réseau journaliste économique pour développement durable, Bradjerol informe les citoyens sur enjeux économiques et sociaux qui viennent dans le budget, selon le coordonnateur réseau SA, Patrick Saint-Pré. L'information SA, Bradjerol présente sous forme nouvelle, analyse et interprétation quelques données économiques. L'Observatoire national sur les finances publiques est un groupe de citoyens haïtiens qui veulent s'impliquer davantage dans le processus budgétaire national. En outre, ce groupe entend travailler pour aider la population à mieux comprendre le processus budgétaire national. Il aidera aussi à faire connaître à tout le peuple haïtien l'importance de faire respecter le cycle. On constate de nos jours que le budget est un sujet d'actualité, car tout le monde en parle. Nous pensons qu'il est d'une importance capitale que la société civile s'organise en groupe de réflexion pour s'impliquer de manière permanente dans ce grand débat. Nous nous efforcerons de mettre en place un espace viable de transmission de l'information économique et financière. Déjà, certains d'entre nous commencent à dégager des espaces dans leurs médias respectifs pour des émissions sur l'économie. Le champ d'action du réseau des journalistes économiques de développement durable englobera le développement et la promotion du budget, les objectifs de développement durable, les bonnes pratiques de gouvernance et de transparence, la formation et l'initiation d'autres confrères aux enjeux économiques nationaux et internationaux, au budget comme instrument de l'expression de la volonté politique du gouvernement, aux objectifs de développement durable et à la lutte contre la corruption. L'idée pour mettre campé Observatoire national ça, en même temps réseau journaliste là, existait depuis plusieurs années selon responsable groupe croissance là, Kestin Farel. Objectif économiste là, avec Estrictisayo, c'est créer un cadre pour membres dans la société civile là, bail disons yo sous budget. C'est raison ça tout qui poussait USAID financer l'initiative ça, selon représentant USAID en Haïti. Pour ministre économie et finance, là, Jude Alix Patrick Salomon, Observatoire national ça, avec réseau journaliste,
pralbay l'état plus j'arrête notre travail pour mettre camper budget national là. Pourquoi avoir un réseau de membres de la société civile à s'occuper des finances publiques? Pour la simple et bonne raison, le budget est un instrument politique. Le budget, ce n'est pas une affaire d'économie, c'est de financier. Il faut d'abord avoir la vision, il faut d'abord fixer les objectifs. Et cette vision, qui est d'améliorer les conditions de vie de la population haïtienne, on sait bien, c'est la population la plus pauvre au niveau du continent, et où il y a une mauvaise redistribution de la richesse. On ne pourra pas changer tout cela sans vraiment prendre conscience du budget national. Ce n'est pas l'affaire du ministre de l'économie et des finances, ce n'est pas l'affaire du ministre du plan, c'est d'abord pour la société civile, le budget participatif. C'est la raison pour laquelle nous voulons réellement avoir la participation de la société civile. Notre appui à ce projet témoigne l'importance qu'accorde le gouvernement américain à une gestion budgétaire saine, transparente, soutenue par une participation citoyenne active. Chers membres du réseau des journalistes et de l'Observatoire, nous vous invitons à raviver les débats budgétaires et la politique fiscale mise en œuvre en Haïti, à dénoncer la corruption sous toutes ses formes et à proposer des alternatives pouvant améliorer le quotidien des masses défavorisées de ce pays. J'ai tenu à être ici avec vous parce que cette initiative vient en droite ligne dans le processus de renforcement de l'État. Il convient de noter que c'est important qu'il y ait un regard externe parce que c'est le regard externe qui nous pousse à nous améliorer, qui nous pousse à faire mieux. Et même quand on a l'impression qu'à la radio, on ne s'entend pas, mais on ne peut pas ne pas s'entendre quand le devenir de l'État est en jeu. Donc c'est la raison fondamentale de ma présence ici. J'encourage les journalistes ici présents à continuer dans ce secteur d'activité qui est parfois ingrat, mais qui ne peut qu'être l'élément centrale de cet État qu'on veut construire ensemble. Cérémonie lancement Observatoire national sur finances publiques d'Haïti avec réseau journaliste économique pour développement durable bout avec présentation d'une application mobile qui développée sous budget. Application ça gratis, il téléchargeable sur Google dans nom budget Haïti. L'autre dossier député circonscription Kinshasa, Alfredo Antoine, critiqué déclaration président américain Donald Trump. Parlementaire a rappelé président américain lui-même tout grand-parent lui était immigrant. Député Antoine dit faut que président Trump allait lire l'histoire. Un extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbich. Selon toute dernière déclaration que différents médias, grands médias américains ont li traiter les pays d'Afrique Haïti de trou de merde. Même c'est peut-être probablement que président Donald Trump pas connaît histoire pays d'Haïti comme c'est un homme d'affaires qui s'intéresse plutôt aux questions économiques, questions de profit parce que c'est investisseur lié. Les choses de l'esprit peut-être pas intéressées. Mais elle doit comprendre que Haïti marquait l'humanité de par son histoire et comment que mouvement, question liberté, mot ça écrit en lettres d'or dans l'histoire pays d'Haïti et son pays qui a une belle épopée qui est différente, de, qui marque une épopée qui est unique avec nous parce que c'est par les âmes, c'est pas cadeau, il te fait nous cadeau, liberté nous, que et où nous te livré dans la bataille pour que nous gagnions territoire ça et arriver à traiter nous de trous de merde et ces mêmes pays ça qui constituait en pile richesse pour pays et occidental ça nous te premier pays producteur café sucre dans le temps et nous te considéré nous comme la perle des Antilles c'est rare pays pour reconnaître indépendance nous qu'on fait une bataille c'est pays encore un pays pour reconnaître indépendance pays ça donc si grand pays, grande puissance, ça, on va prendre richesse que nous avons. Et jusqu'à présent, encore, on continue à faire, nous avons un pays qui est plus belle dans le monde, là, j'en ai dans le temps,
notre pays qui est plus riche. C'est parce que eux-mêmes, ils finissent puiser, ils finissent prendre, piller majorité richesse que le pays a gagné. Et ensuite, ça nous le dit avec Haïtien surtout, qui a parlé de et gouvernement pas parlé, gouvernement pas exprimé. Ça nous le dit. Nous le dit que tant vaut l'armée, tant vaut une armée, tant vaut la diplomatie d'un pays. Si pays ou pas développé, si pays ou pas une armée vraiment qui moderne, qui capable, ou après que président seul qu'on est capable jouer une réponse proportionnelle là, en temps réel. Donc nous avons l'île de la Navaz qui fait partie du territoire pays d'Haïti, que les États-Unis n'ont pas capable de vivre sous territoire ça, ils le sont avec. Dossier justice, c'est l'île promotion droit monde CPDH lancé vendredi 19 janvier à un projet qui portait nom 10 points contre détention préventif. Coordonnateur Célila Junior Bertrand avec Peterson Gentil expliqué objectif projet ça, c'est joindre appui autorité justicio pour diminuer phénomène détention préventive prolongée. Plus loin, CPDA souhaité faire un plaidoyer en faveur prisonnier qui gagne 10 l'année dans prison. Yo. Un extrait dans micro Colo Elisère avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Pour ça qui englobe le projet a, gagnons sous-structure là-dedans qui relaie cellule de promotion des droits humains qui a administré par un autre collègue et cellule ça qui en charge des projets. Moi-même comme coordonnateur, moi gain pour devoir, moi gain pour mission pour accompagner cellule ça et n'importe l'autre et sous-structure dans Palmis pour matérialiser ensemble de projets qui répondent ensemble avec vision organisation. Donc c'est la attribution chita. C'est dans dynamique ça, moi-même m'a pas accompagné pour voir comment projet qui s'est dit pour contre la détention préventive prolongée et en Haïti, lui-même est capable de réaliser. Son projet qui gagne un zéro de vie de 1 an. Dans le projet ça, nous allons essayer de faire des plaidoyers pour rendre des décisions définitives pour des gens qui ont plus de 10 ans en dans prison. Soit mon salaire, c'est des gens qui ne vont jamais juger. Soit nous sommes des gens que le jugement est rendu, mais pas jamais qu'on sait quoi sur qui, pas jamais qu'on sait quoi sur le comme ce gouvernement, soit nous sommes des gens perdus. Nous allons essayer, nous venons dans la prison, nous allons rencontrer avec les responsables de prison, de façon pour nous donner une liste, et puis même pour nous faire pour nous battre des critères, et puis choisir 10 personnes. Pour nous, ça va être dans 18 juridictions, tribunal pour mes sens qui gagnent, et toute prison qui gagne dans le pays. De façon, pour nous essayer d'éparpiller le travail que nous avons fait. Nous choisissons 10 personnes chaque mois. Chaque mois, il y a 10 personnes. Dans la fin d'année, nous avons gagné environ 120 personnes que nous avons fait des plaidoyers pour nous. Office Poste d'Haïti OPH inauguré vendredi 19 janvier dans la commune Delma. Il y a un bureau tout neuf. Bureau Sabral permet à Delma bénéficier de plusieurs services. Cérémonie inauguration, commerce avec Industria et puis quelques cadres dans OPH. Il y a un reportage, Rodney d'Orléans. Avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Voyez ou bien recevoir documents toute qualité, renouvellement, assurance machine, démarche pour joindre extrait, c'est quelques parmi divers services bureau tout neuf ça a permettre citoyens en Delma bénéficier. Karel Alexandre, c'est directeur général OPH. Les dotés d'une structure d'accueil standardisée avec les dernières technologies telles l'IPS Force, un logiciel visant à améliorer le service courrier accéléré, communément appelé EMS. Support technologique qui permettra de desservir au mieux la population de Delma, qui n'est pas des moindres. Dans un local flambant neuf, avec 620 quartiers postaux, un personnel entraîné mettra son savoir-faire, sa compétence au service de la clientèle et exposera, si besoin est, tous les produits disponibles. Dans cette optique, il est important de signaler que suite à un accord signé avec la Direction générale de l'OAPCT, le bureau postal de Delma assurera le renouvellement des assurances véhicules, évidemment, pour décongestionner les déjà existants. Ministre Commerce et Industria, Pierre-Marie Dumeny, bon côté pâle, félicité ensemble travail équipe OPH là, fin d'un pays à, et puis promettre ministère à diriger à continuer à copier. L'événement de ce matin s'inscrit dans la démarche d'optimiser le potentiel de l'Office des Postes d'Haïti et de rendre accessibles tous les services
à travers l'extension maximale de son réseau sur le territoire national. Ce choix, à l'instar des autres bureaux de poste, répond parfaitement aux critères définis par l'Union postale universelle. En d'autres termes, il est doté d'une structure d'accueil standardisée et équipé des dernières technologies telles que l'IPS Post, un logiciel visant à améliorer le service de courrier accéléré, communément appelé EMS. L'administration Moïse Lafontaine, par ma voix, tient à féliciter, stimuler et consolider cette initiative qui vise à redynamiser l'effort de construction d'une Haïti résolument engagée sur la voie du progrès. Je renouvelle ce matin mon engagement à toujours accompagner le directeur général et toute son équipe dans l'accomplissement de cette difficile tâche. La tâche est escarpée, difficile, abyssale, mais je suis sûr, grâce au savoir-faire du directeur général et de toute l'équipe, on parviendra à atteindre les objectifs fixés sans conférer. Pétionville, Delma, Woolwich. Ça me l'a souhaité, c'est que le bloc majoritaire, là, qui est vraiment majoritaire, est capable de faire des passements pour départager pour différentes commissions. Yo, parce que nous sommes tous condamnés à travailler pour que yon stabilité capable d'arriver totale bon, ici là, et que le nouveau président ça, que, qui vient en pile projecteur sous lit, capable de travailler de conseil avec nous pour que Ania nous capable d'avoir de bons résultats. Mais dépassement pour le fait, il faut que nous ne pas primer les politiques là sous vivre ensemble. Là. C'est vrai, ils sont assemblés qui est éminemment politique, mais tout député qui l'a gagné et volonté, gagné envie pour capable occuper une place qui parce que mon la caillou a regardé, mon la caillou a obtenu de bons résultats de yo. Mais si pas des dépassements qui fait, c'est commencer nous pour que j'aime continuer là à finir. Mais moi quant à GPS qui sont bloc d'équilibre. Nous, c'était bon à l'IAPH et nous étions jusqu'à présent. Nous avons gardé pour que la semaine prochaine, la séance soit capable de faire normalement parce que nous-mêmes, nous pouvons être, c'est pas pile nous demander, nous ne pouvons pas nous demander, c'est partager la ligne équitable et selon l'équipe. Et sitôt que nous l'avons passé tout le monde et après entrer dans le normal, et bloc GPF là tout. En tout cas, en nous prions, en nous garder, en nous chercher à vivre ensemble pour que le Parlement capable de fonctionner normalement. Député circonscription Maïs Adla, membre Alliance parlementaire pour Haïti APH, lui, Romel Bojedi APH, a continué Chita parler avec l'autre bloc yo pour joindre une entente sous partage commission yo. Député Bojé fait qu'on ait 20 commissions en permanent APH gagnant, 71 députés, yo décidé pour 14 commissions, l'autre bloc yo pas d'accord, gain discussion cap fait en différents blocs yo avant lundi. Pour joindre une solution, selon député Romel Bojé, il y a un extrait dans le micro fait de la confidence avec Moïse Woolwich. Selon le règlement intérieur encore, le règlement a demandé que si nous parvenions en tente pour nous former commission, pour nous faire répartition, pour nous dire parce que il y a 20 commissions à la Chambre des députés, donc nous-mêmes, l'année dernière, à PHT, il y a 12 commissions parce que nous avons 65 députés, donc je dis à nous passer à 72 députés, donc nous avons trouvé ces deux bons temps. Pour nous gagner 14 commissions. Mais l'autre bloc, il estime que le mode de répartition n'est pas correct. Donc c'est là, la négociation. Nous pouvons jouer une entente là-dedans, c'est à point ça que nous y est. Donc moi, je pense que d'ici le week-end, nous avons une solution qui permet que et pour nous former la commission permanente. Et encore, moi je dis pour la commission permanente, il y a un petit problème encore là-dedans parce que au sein bloc, et selon le règlement intérieur, là, encore, c'est élection qui pour gagner au sein avec membres. Donc, Jean nous compte posséder depuis la guerre en tente, c'est Jean lui demander c'est élection que n'a pas le fait, oui, on cap travail. Est-ce que APH veut qu'un tout? Non, je ne crois pas que c'est l'allié. Moi-même, je parlé avec plusieurs collègues de GPS, je me dit que l'état de bon temps pour nous partager effectivement préoccupation par eux. Parce que je demandé que ce n'est pas seulement prendre tout gros bloc. Et toute grosse commission yo mettez au niveau du bloc APH et puis quittez eux même avec une bonne petite commission. Moi, j'ai trouvé c'est bon temps et nous t'ai parlé en tant que membre et de l'APH également. Nous t'ai parlé avec le président Hippolyte. Nous t'ai dit que nous n'avons pas le chita ensemble pour nous faire un compromis nous-mêmes au niveau APH
Est-ce que nous avons lâché en commission, nous réduit à 13, pour nous avons une entente pour harmonie chambre, parce que il n'est pas bon pour nous si nous-mêmes, au niveau de la Chambre des députés, nous avons une entente sur la formation. Dans quatre coins pays d'Haïti, dans l'idée pour empêcher commerçants, petits marchands, ak consommateurs utiliser l'aide CELIA qui déjà interdit sous marché A. D'après directeur départemental l'Ouest, Dr Martial Benesh, agent Sayo a gain pour mener enquête et puis vérifier dans pharmacie des sanitaires dans le département pour yo regarder dans pharmacie, dans dépôt, dans market, dans marché, est-ce que produit CELIA li pas sous marché A sans façon pour nous dire que le ministère de la Santé publique mette un pile accent sur la question ça, pour nous dire population, pour ne pas consommer l'aide ça et pas acheter. Comme nous connaissons en Haïti, nous avons un secteur formel, nous avons interdit l'aide là en Powell, mais dans le secteur informel, nous avons mis l'aide, nous parlé de ces machins, nous avons cherché la vie. Donc, l'officier sanitaire, ça va dans tout coin, côté qui est marché, dans tout dépôt, dans toute boutique, pour regarder est-ce que produit ça pas sous marché. Pour qui ça? Nous faisons ça, c'est parce que Haïti, Jean directeur général ministère de la Santé publique, je dis, le docteur Laurie Adrien, te recevoir dans stock lettre qui est microbio et les salmonelles à la date. Mais jusqu'à date, aucun cas qui notifie. C'est-à-dire, pourquoi j'aime un monde qui dit qu'il consomme les ça qui a un problème. Mais dans la logique, je fais créer d'avance là, nous obligés de prendre toute disposition pour nous empêcher de nous consommer les là. Directeur départemental l'Ouest annoncé, ministère Santé publique avec population, déjà metté sous pied plusieurs postes médicaux avancés dans la commune Pétionville avec Port-au-Prince pour période carnaval là. Si toutefois tu as gagné cas qui demandait intervention chirurgicale, Dr Martial Benesh expliqué dimanche prochain à bien deux points fixes dans Pétionville et puis à bien plusieurs autres cas disponibles dans Mupana Port-au-Prince. En suivre plus précision, Dr Martial Benesh, dans le micro, Daline Dorival et Moïse Rubich. Ministère de la Santé publique, dans la tête collée avec le partenaire Lio, a mis en campé une cellule d'urgence qui peut permettre aux citoyens à l'activité sa victime, soit dans accident ou dans agression, pour nous capables de faire les soins qui ont nécessité. Dans ce sens, dans la commune Pétionville, vous mettez en PMA. PMA, c'est poste médical avancé qui est en BNC. Poste médical avancé a permis que citoyens qui sont victimes, suivant la gravité, jouent un premier soin. Si cas pas nécessité pour aller dans l'hôpital, il y a voué la caille. Si cas nécessité l'hôpital, il y a transféré dans l'hôpital. Il y a deux points fixes pour Pétionville. Il y a un qui est dans le coin Monchis. Gagnon qui devant hôpital Eliazar Germain. Point fixe, c'est des ambulances. Et ambulances, ça y a des matériels avec médicaments là-dedans, il y a des personnels qualifiés qui pour permettre tout, il est capable de faire les premiers soins suivant gravité. Pour la commune de Port-au-Prince, gagnon dans Mipana, Rex Théâtre, Poste Marchand, gagnon 3 PMA. Gagnon qui, PMA, nous sommes expliqués qui s'allie. Gagnon qui dans le local de DDO, gagnon qui dans la mairie de Port-au-Prince. Et dimanche, ça n'a pas ajouté un quatrième cap dans Mipana pour permettre que, en temps réel, nous sommes capables de répondre à tout le monde éventuellement qui est victime pendant la période carnaval. Maternité Isaïe Gentil a fonctionné normalement 24 sur 24 d'après précision responsable l'hôpital Labaye. Responsable, il fait qu'on ait un travail pour améliorer Kami Goji. Sorti dans la salle consultation, pathologie, néonatologie, salle accouchement, gynécologie externe et interne. Bureau de pistage, laboratoire, tout service en marche dans maternité Isaïe Gentil. Bon, l'hôpital là, en effet, comme si depuis bon bout de temps, l'hôpital là non, a fonctionné normalement et tout service en marche. N'importe service qui est venu les jeunes, comme ça. Là. Oui, 24 sur 24, l'hôpital là, l'agent fermé, c'est 24 sur 24, 7 sur 7, donc toujours il y a des médecins disponibles, personnel là toujours là. Donc depuis bien des temps, l'hôpital là va camper pour question de personnel ou médecin, tout ça, toujours un service qui fonctionne. Quelques patients qui viennent prendre soin dans l'hôpital là, disent satisfaits de service là, côté au dire aux médecins et puis joignent soin normalement. Vous connaissez ces maladies qui fait actualité, qu'on est à fibrome et puis on a perdu sang. L'on a perdu sang comme ça, nous-mêmes, nous devinons, moi-même, madame, ça devine à 2 grammes sang.
nous avons une amélioration, le docteur prend soin de nous, nous disons merci pour ça. C'est normal parce que la caméra est en train de nous chercher. Dans vendredi, nous sommes venus là. Donc, il y a des gens qui viennent aujourd'hui à la boule de carbone. Quelques responsables de maternité, ils ont gentil, souhaité aux autorités dans le ministère de la Santé publique et la population continuer à accompagner leur manière pour répondre à qui ont ces besoins, l'hôpital là a fait face et puis pour servir la population. L'autre dossier, député circonscription Chadoniac, les Anglais, Charles Galvi, encouragé, gouvernement fait intervention lié dans Chadonnière avec les Anglais pour construire tronçon route Port-à-Piment avec Tiburon qui est en mauvais état. Parlementaire a dit, député, depuis après cyclone Mathieu, situation vin plus grave. Yon extrait dans le micro, fait de la confident avec Moïse Rudich. Ça même, comme perspective, c'est que ça a été frappé en pile par cyclone Mathieu. Mandé instance concernée pour la situation de circonscription à cœur. Déjà, nous avons un problème route pour taper Matibiron. Et pour les Anglais, il y a un problème capital parce qu'il y a des fêtes, la desservie de la population d'Amari, Anzeno, les Ivoirs, Tibiron. Et par exemple, ça a plus tendance à passer par la zone Sahara qui a atterri au Province. Donc, c'est ça que nous avons toujours demandé au gouvernement. Tout ça, il faut que tronçon route pour rapidement si nous en fait et puis pour les Anglais pour faire. Parce que c'est un atout pour allier, non seulement pour les Anglais, mais toute commune comme ceux de nous là, de Dame Marie, qui sera pour demain. Service pour enregistrer Timoun qui fait fête disponible et puis a fonctionné normalement dans maternité Isaïe Gentil d'après. Explication quelques responsables dans annexe état civil d'Elma qui dans l'hôpital là. Responsable yo souhaité moun kapvin prend soin dans maternité Isaïe Gentil, marché ak pièce yo, pièce qui valide kap facilité enregistrement yo fait. Yon reportage Rachel Saint-Fort ak Rémi Godjit. Tout moun ki vin accoucher dans maternité Isaïe Gentil ka enregistré ti moun yo de naissance yo dans cadre programme compte moins compte. Yon initiative bureau premier dame république là responsable dans annexe état civil qui dans maternité ça fait qu'on est tout petit monde qui fait dans l'hôpital là enregistré même si c'est pas tout parent qui fait déclaration sous place. C'est pas ça, c'est un service d'enregistrement pour tout petit monde qui fait fête ici là, OK? Alors dès la naissance, ensuite un service on est que madame la présidente là mette là au service de tout petit monde qui fait là parent yo capable tout enregistré pour leur certificat. Donc enregistré pour certificat. Oui, certificat de naissance tout petit monde de 0 jusqu'à 6 ans. Une fois papa présenté, nous avons une pièce d'identité. OK? Et il doit y avoir un carte électorale, licence ou bien passeport. OK, un carte qui valide. Nous demandons nos maman, s'il y a une pièce maman avec l'acte de naissance, notre simon date et lieu de naissance et puis non deux monde comme témoin. Opératrice Onyan Yannick Joseph explique. Il fait 10 à 20 enregistrements par jour si pièce qui recommandé là et puis il fait renouvellement pour quelques cartes qui expirent. Nous enregistrer 10 à 26 monde par jour. Et puis nous faire renouvellement là tout pour monde qui travaille dans ce plan. Les gens viennent accoucher ou pas viennent avec pièce. Ou pas qu'à faire enregistrement sans que ou pas gagner ni si maman avec papa. Responsable souhaité par un marché à pièce, une manière pour enregistrer les gens, ça peut éviter problème à l'avenir tant qu'on inscription à l'école. Actualité à Piloin Lacaille. Sénat américain doit adopter à partir vendredi 19 janvier à bon minuit un accord budgétaire. Si ça va arriver fait, l'agence fédérale là a cap dans incapacité pour payer fonctionnaires yo a obligé fermer porte yo ensuite. Président américain Donald Trump a vécu pour première année dans la Maison Blanche une situation spéciale
l'agence fédérale yo doit fermer à cause yo pas ka payer centaines de milliers fonctionnaires yo cap automatiquement rentrer dans un chômage technique. Dans ces circonstances ça, un budget temporaire ta doit adopter à partir minuit vendredi 19 janvier, sinon c'est pour le blocage administration. Nous avons un gros problème d'immigration et démocratie, les bloquer administration publique là pour éviter mettre accent sur ce sujet ça. Donald Trump fait déclaration ça en rapport avec exigence opposition pour approuver budget côté de régularisation environ 800 000 Dreamers. Si moun ki rive sans papier aux États-Unis yo, sinon yo pa voté accord budget, républicain yo semble favorable à vote ça. Il y a un temps pour bataille, à son temps pour compromis. Aujourd'hui, c'est le temps du compromis. Président Trump mette conditions pal tout sous balance là, parmi yo financement construction mis sous frontière États-Unis ak Mexique là. Pape François tamé jodi a yon visite 3 jours dans pays Pérou. Déplacement ça a fait tout de suite après visite li té fait dans pays Chili ensuite. Chef l'État péruvien Pedro Pablo Kuczynski accueilli par François dans espoir pour calmer situation critique qui gagne soudol après faveur été accordé ancien président Alberto Fujimori qui était condamné pour corruption et crime contre l'humanité. Pape François fait déplacement ça pour 3 jours dans le pays Pérou, yon première étape pour rencontrer population amazonien. C'est première fois yon pape rencontré la population amazonien. Chef l'église catholique là à peine sorti visiter Chili côté li plaider en faveur migrants yo. Et puis profiter des fagnons évêques qui a cause silence qui t'a protégé en prêtre qui gagne accusation pédophile pesé sous dol. Dans une enquête qui publiée jeudi 18 janvier, journal britannique des Guardian accusé organisation Nations Unies qui casse fait coursier harcèlement et agression sexuelle. Plusieurs dizaines de salariés et consultants qui travaillent dans plusieurs pays qui ont témoigné sous habit avec divers obstacles qui ont rencontré les ouvriers pour des plaintes. Secrétaire général ONU, Antonio Guterres, réagit côté annoncé nomination ayant défoncé droit victimes pour politique zéro tolérance. ONU recevoir en pile critique pour incapacité pour mener enquête sur divers abus sexuels suspects qu'a bléoté qu'a commettre contre population locale et spécialement dans le pays d'Haïti et dans Centrafrique. Rappel Tikyo. Dernier rappel, Sikyo, président Jovenel Moïse qui était bien à Cli, premier ministre Jacques-Guy Lafontaine posé premier roche pour construire pont en croix des missions à pont route 9 là, vendredi 19 janvier. Construction des ponts Sayo a coûté environ 36 millions de dollars américains. Pendant même journée, chef d'État a visité coopérative agricole pour sauver et planter Préval. Qui trouvait dans la première section Thierry-Vier-Latibonite à qui usine d'Iri qui n'a même espace là. L'autre nouvelle, discussion sous formation, commission, permanente dans la Chambre députée a continué. Représentant plusieurs blocs politiques qui ont espéré gagner une entente cap-joine pendant le week-end là. Office Poste d'Haïti inauguré jeudi, il y a un bureau tout neuf dans la commune d'Elma. Bureau Sabre al Pemet, Mundelma, Axon qui sous-côté yo bénéficie service institution. Groupe Croissance lancé officiellement jeudi 18 janvier à Observatoire national sous finances publiques d'Haïti à Réseau Journaliste Économique pour Développement durable. Pilon Lakay, Sénat américain, a souhait vendredi 19 janvier à bon minuit, yon accord budgétaire. Si ça pas arrivé fait, agence fédérale yo a pnan incapacité pour payer fonctionnaire. Cela nous mettait en bout dans le journal là. Merci pour attention. Bonne nuit tout le monde et bon week-end.